Non, mais m'a-t-elle dit pourquoi je suis méchant? Non, c'est vrai, je suis devenu une mauvaise personne, moi, avec l'âge. C'est vrai, en vieillissant. Non, c'est parce que je me venge, c'est ça l'histoire. C'est je me venge parce que j'ai pas été un enfant heureux. Vois-tu? J'étais un enfant. Une enfance malheureuse, c'est ça. Les autres enfants m'écœuraient. Ah, ouais, ouais. Moi, quand j'étais petit gars, j'attendais avec impatience le samedi matin, vois-tu? Puis là, je sortais dehors. Dans la ruelle, on est de chez nous, avec ma limonade d'une main, mon cochon d'Inde dans l'autre, puis le monolène même dans la ruelle, moi, si j'étais Louis XIV dans la ruelle en hiver, rien de chez nous, on me promenait, une petite gorgée, un petit bec. Y'a-tu quelque chose qui dit plus, tu fourras pas avant d'avoir 27 ans que de te promener avec un cochon d'Inde? À cette heure, je me venge. En plus, j'ai bien du temps libre, là, c'est vrai. Là. Le samedi passé, que j'ai fait, j'avais du temps libre. J'étais allé fucker des couples heureux au restaurant italien en face de chez nous. Hein? À travers le bord de la rue, au Da Giovanni. Hey, rentre là, toi, petit couple amoureux assis autour d'une table. Hein, j'arrive là, toi, je parle au gars. Ah ben salut, Coco, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au sauna. Excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais avec ta soeur. Bonjour, madame. Ah, je faux pas, personne faux, that's it. Je préfère être trop méchant que trop gentil. Ah, ça, c'est bien vrai. Trop gentil, c'est plate. T'es plate, trop gentil. Hein? Un humoriste trop gentil, ça devient un magicien. Bon. De toute façon, être trop gentil, pourquoi? Hein? Pour qui? Pourquoi être trop gentil? Pour pas aller en enfer, peut-être. Hein? Pour aller en enfer. Ah, mais là, on va t'en pas parler de religion à soir, Martineau. On a plus le droit de parler de religion, hein? C'est fini, ça. Plus le droit. La seule religion qu'on a encore le droit de parler, c'est la religion catholique. Fait qu'avant que ça change, je vais te faire une couple de jokes de Jésus. All right, OK. Non, tu vas voir, des jokes de Jésus, là, au début, c'est frette, mais un coup ça, c'est maudit tonne de du fuck, OK? On va te commencer tranquillement, madame, OK? On t'a starté avec un petit joke de même. Dring, dring, oui, allô, Jésus. Chapelet pour te parler. Chapelet, OK? Bon, là, tu vois, on est rentré dedans juste ici, là, on va me tremper le snack, OK? Excellent! Wouh! Là, ça va pincer un peu. Non, parce que je me suis renseigné, hein, là-dessus. J'ai lu le livre de Jésus. Je l'ai lu. Moi, déjà, à la base, je suis pas très science-fiction. Écoute! Mais j'attends le deuxième tome. Ah oui, ça, c'est vrai, là. Ouais, parce qu'il va y avoir une suite, c'est sûr. Parce que dans le premier, il meurt enfin, mais il revient. Ça sent le sequel, ça. Ah oui! Ah oui, ah ouais, c'est le livre. C'est-tu le bout que j'ai décroché, moi, te le dire? Le bout qui marche sur l'eau. Hey, j'étais pas là, toi non plus. Ça se peut bien que ça soit vrai. Mais je veux dire, dans ma logique à moi, c'est le genre d'affaires, tu te rends pas compte à 30 ans. C'est le genre d'affaires, tu te rends compte bien avant quand t'es petit gars, t'as 4-5 ans, t'as ta mère qui crie après toi. Jésus, va prendre ton bain. Ah, j'essaye, mais maudit, j'essaye. T'es obligé de me laver à débarbouiller à t'asseoir, môme? Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, hein? Ça va pas bien. Ah, mais Jésus, il va revenir. Mais là, de temps en temps, pour nous donner de l'espoir, qu'est-ce qu'il fait? Sa face apparaît sur un grilled cheese. Ce que je veux dire, finalement, là, c'est que la religion, c'est une question de respect. Peu importe à ce que tu crois, on s'en fout. Respecte l'autre. Moi, dans mon livre, moi... Il n'y a rien dans ta croyance qui justifie d'aller cogner chez le monde à 7h30 le matin le samedi. Elle ne l'est pas nommée. Elle m'a expliqué. Mettons que je crois n'importe quoi. Mettons que je crois à Jean-Claude Van Damme, OK? Il n'y a rien qui justifie que moi, je vais aller chez vous le samedi matin, cogner à la porte, toc, toc. Bonjour, madame. J'ai le DVD de Double Impact dans mon sac à dos. On pourrait-tu regarder un petit bout d'ensemble, s'il vous plaît? Laissez rentrer Jean-Claude dans votre cœur. Ça aurait été cœur, hein? Aurait appelé ça les témoins de Joe Van Damme. Oh, gars! Moi,
L'enfer, j'espère que ça existe pour une seule sorte de personne. Les maudits crosseurs qui nous vendent l'encre pour les imprimantes. Eux autres, j'espère qu'ils brûlent. Ah, mais attends, là, faut pas semblant. Le maudit temps d'imprimante, moi, j'ai pas compris encore ce qui se passait là-dedans, là. Attends un petit peu, comment ça? La logique est pas là. Y a pas de mathématiques là-dedans, là. Attends un petit peu. Attends, pas tout seul, là. L'imprimante neuve est 40$, la cartouche à 90$, on l'a toute faite. Y a plus d'encre dans l'imprimante. Mets ça au vidange, on achète une neuve. Comprends-tu? Qu'est-ce que tu mets dans ta cartouche que c'est plus cher que le pétrole, tabaslac? Comment t'as rempli ta cartouche? Qu'est-ce que tu mets dedans? Coudon, t'attends-tu qu'il y ait un arc-en-ciel dehors? Tu sors avec un pot maçon? Le rouge, c'est fait? Mais qu'est-ce que j'essaie de te dire ici, t'asseoir? Qu'est-ce que c'est quoi le message là-dedans? Qu'est-ce que c'est le message? Et moi, je veux dire finalement, je suis méchant. Je suis méchant parce que j'ai pas eu une enfance heureuse. J'aurais aimé ça avoir, tu sais, juste une machine à voyager dans le temps. J'aurais aimé ça voyager une couple d'années en arrière, me retrouver petit gars quand j'ai eu 10 ans. Juste pour être l'adulte qui m'a coaché. J'en ai pas eu. Je me suis fait tout seul. J'ai pas eu personne qui m'a coaché. J'aurais aimé ça juste 2-3 petites phrases pour m'aligner. Parce que je me serais pas dit grand-chose, tu sais. Juste 2-3 mots pour pas lâcher, pour continuer, puis venir meilleur. Je t'aurais dit, tu sais, les autres, laisse-les faire. C'est pas grave, les autres. Les autres, on s'en fout. Sois toi-même. Ton cochon d'Inde, là, donne-y tous les petits becs que tu veux. Sois pas gêné, parce qu'il sera pas toujours là, ton cochon d'Inde, tu sais. Les autres, on s'en fout. Sois toi-même. Pense ce que tu veux. Dis ce que tu penses. Sois toi-même. T'es pas d'accord, mon gars? Oh, ta gueule!